qui s'élancera du numéro 3. C'est parti pour la course principale. En départ, un peu lent pour Split the Breeze et Tabarik. C'est Ryder Cup et The Tripster, comme attendu, qui se disputent le commandement. Alpha Pegasi, Jolly Roger à l'extérieur. Puis on retrouve New Hampshire, Tabarik, Split the Breeze et finalement Mr. Lion. The Tripster est parvenu à ses fins. C'est lui qui va contrôler la course. The Tripster avec Swapnil Ramancel devant Ryder Cup, Jolly Roger, Alpha Pegasi. Puis on retrouve New Hampshire. Il y a aussi Tabarik qui est la Split the Breeze et Mr. Lion. The Tripster seul à l'avant, très dangereux dans ces conditions. Ryder Cup cependant ne perd pas de vue. The Tripster, Jolly Roger également là. Alpha Pegasi côté corde. En dehors, il y a New Hampshire, Tabarik, Split the Breeze et Mr. Lion. Encore 700 mètres à courir pour The Tripster qui entame très bien sa course. Ryder Cup, Jolly Roger progresse légèrement sur l'arrière-main de Ryder Cup. Toujours en dehors, New Hampshire. Côté corde, il y a Alpha Pegasi, Split the Breeze. Tabarik commence son effort. Mr. Lion également sollicité par Girish Goumani. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite finale avec The Tripster qui a l'avantage. Ryder Cup à l'extérieur, Jolly Roger. Donc The Tripster a toujours l'avantage face à Jolly Roger à l'extérieur, à l'intérieur, Alpha Pegasi. The Tripster, Alpha Pegasi termine en trombe à l'intérieur. Alpha Pegasi, la première de ce coursier. Alpha Pegasi devant The Tripster. Et puis on retrouve Split the Breeze à l'intérieur. Alpha Pegasi. Voilà enfin son premier succès au Champ de Mars. Oui, Alpha Pegasi sous la montre de Kösley Ramsamy qui va revenir. Il était tout le temps bien. Les autres sont allés, vous allez le voir, à l'extérieur. Jolly Roger ne réalise pas une mauvaise course. Jolly Roger, il y a New Hampshire qui a eu un parcours très difficile. Tabarik qui à un moment donne l'impression de pouvoir revenir. Mais Alpha Pegasi qui a un boulevard à la corde, puisque tout le monde est parti à l'extérieur. Lui, côté corde, avec Kösley Ramsamy, va très bien accélérer. Split the Breeze dans son sillage. Alpha Pegasi qui va s'imposer face à The Tripster. Split the Breeze. Ryder Cup s'accroche à la quatrième place. Premier succès donc pour...